Oh bah alors. C'est très drôle. Bonjour à tous. On arrive. Regardez, hop là. Ouais. Oh là là, cette réalisation en live. T'as vu un peu, c'est ouf, hein. Tu vois. Incroyable. Bon, alors peut-être. Enfin, on a quand même un souci parce que là, je sais pas trop comment je vais faire pour vous insérer dans le truc. Ah oui, non, mais ça va être le gros bordel. Donc, je vous demande juste une seconde, puisque là, vous allez mettre le feu partout. Je vois bien le truc qui est en train de partir en cacahuète, là, direct. Donc, ce soir, on était censé streamer sur YouTube, mais pour ça, donc, on utilise un produit qui s'appelle Restream. Et Restream, ce soir, a décidé de ne pas nous laisser streamer. Donc, écoutez, tant pis, on va streamer sur Twitch. J'ai juste besoin de prendre une seconde pour faire une petite capture d'écran de nos amis et puis vous les mettre directement là. Je vais enlever ma caméra parce que ça sert à rien en fait. Non, je vais la laisser, sinon ils verront pas ce que je fais. Ouais, ça va être compliqué. Et on est presque comme dans le The Event, hein, du coup. Hein, des problèmes techniques et tout, c'est nickel. Attends, il nous manque un certain président qui va venir foutre sa tronche. Oui, non, bah non, quand même. Je vais faire une petite capture d'écran. Hop, bougez pas. On va faire ça comme ça, à l'arrache. Ici, comme ça. Ah, on a déjà des subs. Merci pour les subs. Et puis, on va pouvoir commencer l'émission. Capture de fenêtre. Voilà, je le fais à l'arrache. Hein, donc. À l'arrache totale et ça va être un peu bizarre, mais c'est pas grave. Hop. J'espère que vous allez bien quand même. Est-ce que vous allez bien, les amis? Dites-moi si vous allez bien dans le chat. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise si vous allez bien dans le chat pendant que je fais tout mon petit bazar parce que j'ai pas les scènes qui vont bien pour stream. C'est embêtant, hein, d'utiliser un produit comme ça duquel on est dépendant. Hein, alors, c'est embêtant. For fun, ça va bien, merci. Oui, yes, ça va, ça roule. Je vais mieux, oui. Ok, visiblement ça marche. Bon, bah c'est super. Ça marche, mais ça marche pas super. Donc je vais faire ma petite capture. Et puis je vais l'ajouter. Voilà, elle est là. Hop. Je l'appelle comme ça. Et je fais une petite capture comme ça. Hop. Ça va être à l'arrache totale, hein, les amis. Hein. Vous m'excusez. Ça marche. Vous m'excusez. Hein. Ouais, on t'excuse. Voilà. Regarde. C'est très bizarre. c'est très space. Ah, et on a le mec de Restream là qui est en train de me parler. Tu vois, le blaireau, dégage. Je suis en train de streamer là. Vas-y, pousse-toi de là. Il essaye de t'aider. Oh. Ouais, il essaye de m'aider, mais tu vois, non, c'est pas possible tard. Quoi. Alors, ouais, okay. voilà, on n'est pas bien là, hein? Hein, qu'on est bien là. On est voilà, cool. On est voilà. Impeccable. Impeccable. Voilà, je suis un peu n'importe quoi là, mais voilà. Oui, c'est très bien. On va dire que c'est bon. Chers messieurs, dames, bonsoir à tous. Je vais essayer de me décaler un petit peu sur la gauche, là, comme ça. Hop là. Voilà. Je vais devoir rester là. La réal va être un peu pourrie ce soir. Pourquoi on est en double? Pourquoi vous êtes en double? Comment ça, vous êtes ouais, en double? Non, on n'est pas en double sur Twitch. On est en double que sur Restream. Que sur le. Ah oui, sur ah oui, vous êtes en double sur votre écran, mais d'accord, okay. Oui, d'accord. Alors, ça va être embêtant. Non, mais ça. C'est pas grave. C'est bon. Ça va être embêtant. Ok, vous n'êtes pas en double. Est-ce que le son ça va? Dites-moi si le son ça va. Est-ce que vous entendez tout le monde? Voilà, juste un petit test, d'accord. Donc, on va juste dire à monsieur Restream, we went on Twitch, ok. Voilà. Contact you later. To Twitch, contact you later. Not happy. Voilà. Merci. Allez. Oh, le rebelle, quoi. Ah bah attends, non, sérieux, faut pas déconner là. Pour. Sérieux, c'est abusé, quoi. Alors, salut à tout le monde, Résor Music, EDM Music Production, Johan Kopp, Bifaz, Uterpo, VE on Twitch. Ouais, il a changé le lot du concours ce soir, c'est une licence Restream. Ouais.
Non mais je pense que restream ça va être la dernière fois en fait, parce que la semaine dernière ça a merdé aussi, donc voilà, ça, on va changer. Ah merci, alors merci d'arrêter dans les commentaires de me pilonner de tous les côtés. J'arrête pas de prendre des scuds, c'est de ma faute. C'est ta faute. Bien sûr que c'est de ta faute. Attends, je vais dupliquer ma scène là. Oh my god. Et puis je vais juste vous enlever une minute pour que je puisse me remettre au milieu, voilà, pour que je puisse, parce que il va falloir que je fasse des trucs en full screen. Là, la réal en live, là, c'est quand même non. Hein. Là, je suis pas très content. Alors, un truc que vous avez sans doute vu cette semaine, c'est que j'ai fait des lives. Donc, je vous en parle vite fait. J'ai fait un live vendredi. Vous savez que on vient sur Twitch maintenant. La preuve, c'est qu'on est encore sur Twitch ce soir. On fait des lives. Je fais des lives surtout le dimanche. Donc, hier, j'ai fait un live compo syntacte. Des lives le mercredi soir à 21h30. Je pense que je vais poursuivre la compo qu'on a commencé hier soir parce qu'elle était vraiment cool. Et le vendredi où on fait à 18h30 les écoutes de création. J'aurais aussi remercié d'ailleurs Eric qui a participé à la séance d'écoute de vendredi. Ça a fait plaisir à beaucoup de monde, hein, Eric. Hein. C'est, voilà. Et donc, je te salue. Bonsoir à tous. Il y avait voilà. Un petit, si je me souviens bien, il y avait Noé qui était là, qui avait 11 ans. C'est exactement. Ah, ouais, je suis un peu embêté là du coup. Attends, faut que je m'enlève. Ouais, c'était chouette. Oh là là, je t'ai coupé. La réal de merde. Attends, on va faire comme ça, réal. On va essayer de faire comme ça. Ça marche, ça, comme ça, ou pas? Non, c'est pourri. Ouais. Donc, on fait des écoutes et du coup, c'est bien. Ça permet à tout le monde de pouvoir présenter ses productions et je pense que ça fait plaisir à plein de gens quand... Il y a un Eric Mouquet, un Deep Forest qui arrive en disant waouh, mais c'est drôlement bien ça. Et je pense que ça a vraiment fait plaisir à beaucoup de monde. Merci à toi, Eric. Alors, j'en suis où? J'ai déjà un train de la hype qui a démarré. Première chose, j'aimerais saluer Blast. Voilà. C'est moi. J'aimerais saluer Cobb Nolan alias Philippe Ellis. On ne sait pas trop comment l'appeler. Je l'applaudis quand même. Salut. Voilà. J'aimerais saluer Asmoth en direct du UK avec un nouveau micro qui ne permet pas d'utiliser sa bonnette. Eric, on vient de le saluer. Et puis, on a également Jay. Alors, il était là, mais il n'est plus là. Il a disparu. Je ne sais pas où il est. Ça ne marchait pas très bien. Je pense qu'il s'est déconnecté. Donc, il s'est déconnecté. Voilà. Alors, il y a du high level le vendredi. Effectivement, Razor Music, c'est vrai. Crash ultime chez moi. Bon, bah écoute, tant pis. Ouais. Désolé. On va faire autrement bientôt parce que c'est vraiment super relou. Si vous êtes encore sur le chat YouTube, s'il vous plaît, envoyez tous les gens sur twitch.tv/lessondiers. Ça permet aux gens de participer à l'émission avec nous. Comme ça, c'est cool, quoi. Ok. Un message aujourd'hui... pour... Philippe, regarde dans le chat, il y a un message pour toi qui est direct au sujet d'un écran. Ah ouais, alors tu parlais d'un écran tactile pour contrôler ton dos. J'ai testé sur un écran 27 pouces avec Ableton et le résultat est sans appel. Les trois quarts de mes plugins fonctionnent très mal. La plupart des potards passent de 0 à 127 sans demi-mesure. Waouh, voilà. Ça c'est hyper intéressant parce qu'en plus les écrans, c'est des trucs qui valent un bras et demi en fait. Exactement, oui. Moi, j'avais regardé les trucs. C'est intéressant que tu le notes. Les trucs 42 pouces et tout. Et c'est vrai que bah, tu vois le mec faire, ils te disent qu'il y a 10 doigts qui marchent, ils montent les potards et tout. Et si quand tu le testes vraiment, il n'y a rien, bah, il ne te reste plus que tes yeux pour pleurer, quoi. Parce que tu as vendu deux machines pour réussir à t'acheter l'écran. C'est clair. Waouh, wow, merci beaucoup de l'info. C'est très gentil parce que c'est bon, merci. Je suis décidé à ne rien acheter. Bon, alors. Voilà. La semaine dernière, vous vous rappelez, le bot a merdé. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les bots Discord ont changé de commande. C'est plus point d'exclamation, c'est slash. Mais personne ne me dit jamais rien à moi. Voilà. Puis ils font ça à la rentrée une fois qu'on a... Voilà, bref. Peu importe. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est vous dire qu'on a le fameux String Studio VS3 à gagner ce soir. Et String Studio VS3, pour pouvoir le gagner, il faut venir sur le Discord. Sur lessondiers.com/discord. Je sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Décidément. Ça. Non mais le Discord. Oui. Voilà. Bon, lessondiers.com/discord. Vous pouvez venir sur le Discord pour pouvoir tenter de gagner ce plugin merveilleux. Voilà.
Et je vais vous taper la commande tout de suite, du coup, puisque cette fois-ci, je vais pouvoir la taper la commande sur le Discord. On va aller directement là-dessus. Hop, Discord. Hop, la voici. Et donc, il faut que je tape une commande. Alors, c'est gstart. Voilà. Hop. Duration, 1 heure. Hop. Maintenant, je suis obligé de faire ça. Winners, 1. Et le prix, c'est une licence String Studio VS3. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. C'est parti. Et vous pouvez cliquer sur la petite Vuvuzela. Et maintenant, elle marche, la Vuvuzela. Eh, c'est beau, ça, non? C'est pas beau, ça. Impeccable ou pas? Voilà. Ah, il y a déjà un caddie. Voilà, il y a déjà un caddie. C'est excellent. D'accord. Donc, ça va s'arrêter à 21h48. Et à 21h48, si tout va bien, on devrait avoir le nom du gagnant. Alors, c'est plus pratique, la Vuvuzela. On la voit mieux. Hein. Je ne sais pas ce que vous en dites. Ça a l'air... Ce qui est bien, c'est que maintenant le bot, il est capable de repérer ceux qui cliquent sur les emojis caca et les retirer du concours. Non, c'est pas vrai, c'est faux. Sérieux? Mais non. Ah, évidemment, c'est moi qui l'ai reprogrammé. Ça pourrait, hein, tu pourrais coder le bot, c'est facile. Hein. Il vous baragouine, Bon, et en tout cas, on va remercier Mystero8 qui a offert un abonnement communautaire. On va remercier également Chris Witchers qui a également offert un abonnement communautaire. On va remercier Musique Alpha 2022 qui nous a envoyé 100 bits. Ainsi qu'Antoine de Neptune. Merci à vous. Et il y a un train de la hype qui a démarré sur Twitch. Vive Twitch. Je ne sais pas si... Je ne suis pas sûr... En fait, ici, on ne peut pas demander l'avis de... Voilà, ne dépensez pas vos points bêtement. Hein. On ne peut pas mettre le feu et tout ça ici. Ce n'est pas, le bon endroit. Voilà. Parce que là, je suis obligé de désactiver les points de chaîne. Attendez, je vais le faire tout de suite parce que sinon ça va être la merde. Voilà, hop, et hop, vous hop. Allez gaspiller vos points. Et vous allez gaspiller vos points. Vos mon points avis que je peux vous donner en direct parce qu'on est en direct. Hein. Exactement. Ouais, exactement. Si vous voulez que je vous dise que j'en pense rien, je vais vous le dire. Alors, il faudrait que je puisse retourner là pour pouvoir voir ce qu'on avait prévu dans le Discord. C'est un peu chaotique cette émission. J'aime pas avoir des problèmes techniques comme ça parce que quand il y a des trucs vraiment pas prévus comme ça, ça met la zone partout, ça m'agace profondément. Bref, reprenons. On a des questions de nos chers auditeurs, donc on va en parler tout de suite. Regardez. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu celui-là. Ah hein, oui, c'est vrai. Attends, je le remets. Y'a pas jingle, y'a pas jingle. Eh, bien ou pas? Question de Event Horizon. Event Horizon, salut à toi. Je pense que tu es là. Je crois que je t'ai vu. Je sais même pas si je t'ai vu, mais si tu n'es pas là, bonjour quand même. Hello à tous, comment faire pour ajouter du sub à une basse? J'ai une basse créée avec le Crave, très bon petit synthé qui fait de bonnes basses analogiques, mais le Crave n'a pas de fonction pour ajouter du sub. Dois-je créer mon sub avec un autre synthé, comme par exemple le ModWave qui a une fonction sub, ou le BassStation 2 qui a un oscillateur sub? Très bonne question. Un sub, c'est juste une sinusoïde. Hein. C'est ça. Une sinusoïde à l'octave en dessous. Tu prends un bip, un vieux sampler à caille. Voilà. Une sonde et puis une octave en dessous, ça fait un sub. Alors je pense que ce qu'il veut, c'est faire de la sub basse, donc en fait il faut doubler quoi. C'est ça, c'est quoi? Un octaveur. Un octaveur, mais tu vas garder la texture. Ouais. Un vrai sub. Ah oui, d'accord. Ou un carré éventuellement. Ouais. Une square, mais moi je ferais ça avec une sinusoïde. Ouais, alors en fait, je pense que ce que Event Horizon veut dire, c'est que sur certains synthés, tu sais, t'as un réglage sub. Ouais. Et donc sur le Crève, il n'y a pas ça. Donc en fait, j'imagine, lui, ce qu'il veut, c'est faire en sorte que quand il joue un truc, bah, il y ait le grave et à l'octave en dessous, dedans, le sub inclus. Quoi. Voilà. Donc, ouais, je pense que c'est ça la question. Est-ce que je peux avoir du sub dans ma basse telle que, ou est-ce que je dois recréer une deuxième piste pour avoir mon sub quoi? C'est ça. Donc quand on a un synthé avec un seul oscillo comme le Crève, soit il y a déjà pas mal de graves et dans ce cas-là on peut essayer d'égaliser et tout ça ou d'utiliser des plugins genre Max Bass mais bon c'est quand même pas super. Le mieux c'est quand même de doubler avec un plugin quoi par exemple quand tu dis doubler t'envoies le signal MIDI vers ton plugin ou vers un autre boîtier qui va récupérer ça et qui va en... Tu crées une deuxième piste avec n'importe quel outil, quoi. Ouais, alors attends, parce qu'après, il dit qu'il le fait avec son Crève, mais ce qui fait que s'il utilise le Crève, il est peut-être en doless, c'est-à-dire sans... C'est ce que je me dis, ouais. Oui, c'est ce que j'allais dire, si tu fais là, du live il envoie un MIDI out vers son deuxième appareil. Non, mais c'est clair. Tu fais comment? Tu fais comment? Donc déjà, dans un premier temps, il faudrait savoir comment il déclenche le Crève. Est-ce qu'il utilise le petit séquenceur intégré?
Est-ce qu'il utilise du CV Gate? Est-ce qu'il utilise du MIDI? Si tu utilises du MIDI, bah, moi j'aurais tendance à dire double le MIDI et puis va vers, vers ton séquenceur ou vers un autre synthé avec lequel tu vas pouvoir doubler le MIDI. Tiens, on a Noé qui est là ce soir. Noé qui a 11 ans. Salut à toi. Voilà. Salut à toi. Salut aux autres aussi, hein, désolé. Mais Noé nous a présenté une production vendredi et c'était vraiment sympa avec son papa. C'était cool. Voilà. Ouais, non, moi j'aurais tendance à dire essayer de dupliquer le MIDI. Si c'est en CV Gate, ben faudra un deuxième oscillo, quoi. Il y a pas trop le choix en fait, je pense. Ouais. Hein. Comment vous feriez là dans la comment vous feriez dans le chat, hein, pour ceux qui le font. Philippe / Cob, t'as déjà été confronté à ça, toi? Parce que toi qui fais de la prod dans tous les sens là. Moi, je suis pas très très bon au mixage des bas et c'est souvent pour ça que je galère après mix mastering et c'est pour ça que j'arrive rarement à aller jusqu'au bout et que je demande à un ingé son de me faire le mastering parce que c'est ce qu'il y a de plus dur à régler, c'est ce qu'il y a de plus dur à entendre. Mais en général, de toute façon, quoi qu'il arrive, moi je sépare mon sub de ma basse quoi. Bouge pas. Voilà, je bouge pas. Bouge pas, tu bouges. Je sépare mon sub de ma basse, mais je bouge pas. Bouge pas. Ok. Il est parti chercher le chien. Ah, tu sais pas. Il est parti chercher Restream peut-être. Ah, ou Restream peut-être. Il est parti chercher YouTube. Pouvoir, est-ce que t'as trouvé YouTube? Ah, parce qu'il a un crève. J'ai un crève. Bah oui. Okay. Mais... Donc on va regarder s'il a comme un. Alors, mais il marche pas. D'accord. Ouais, il marche pas. Ce que j'allais dire, le fait de passer le mixage à quelqu'un d'autre, c'est. Oui, ça peut régler les problèmes, mais tu vois, si en fait ton sub il est pas là de base et que ta basse en fin de compte y a pas de sub dans ta basse, le mec qui fait le mix, il va pas pouvoir en rajouter. Non, t'as raison. Moi, c'est l'équilibrage c'est l'équilibrage global que je galère parfois à faire, et c'est plutôt le mastering que je bascule. Moi, en général, mon mix ça va. Jusqu'au mixage, j'ai pas trop de problèmes. C'est au master où souvent mon mix est un peu flou dans le bas, tu vois, et j'arrive pas à avoir cette netteté, cet impact qui claque vraiment sur un mastering. Mais je sépare toujours les deux, moi, parce que je trouve que c'est plus simple à travailler. Okay. Et là, donc, du coup, le Crave, il est semi-modulaire, donc tu peux normalement récupérer soit un CV, soit un MIDI. Oui, voilà. Justement, en fait, j'étais en train de regarder parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui nous disait, biphase, je crois que c'était, le Crave a deux formes d'ondes, il faut juste le patcher. Donc, sur le Crave, effectivement, il y a un oscillateur. Mais il y a effectivement deux formes d'ondes. Mais le patché, ça suffit pas pour baisser d'un octave, tu vois. Donc tu vas le patcher. Donc il faudrait trouver. Faudrait que j'étudie la question. Mais pas avec ça parce que ça marche plus en fait. Mais oui, alors pour essayer de je vais mettre un peu en face du truc, bougez pas. Ok, voilà. Donc en fait, ce qu'il dit là, c'est que ici on a carré. Et triangle, enfin Dancy, pardon. Je sais pas si vous voyez. Okay. D'accord. Mais peut-être avec le LFO, on peut faire du. Je me pose la question. On peut faire de l'audio. Je sais pas. Ça valait vraiment le coup que je le sorte. Hein. Je vais me poser là. Mais... Ce que tu peux faire, peut-être, je connais pas ce synthé, mais est-ce que tu as une résonance qui auto-oscille? Tu sais, quand tu mets la résonance à fond et que tu baisses le filtre, est-ce qu'il auto-oscille? À ce moment-là, si tu peux peut-être. Ouais, effectivement. Tu peux régler la résonance du filtre une octave en dessous, peut-être. Hein. Je sais pas, je connais pas cette machine, mais effectivement, faire self-osciller le filtre et puis le traquer un octave en dessous. Exactement. Ouais, c'est pas bête ça. Faut que t'essayes Event Horizon. Oui, et les gens qui ont remarqué qu'on voit mon chat avec Restream où le mec me dit je ne comprends pas, la dernière fois que vous avez streamé, c'était le 5 septembre. J'ai ok mec. Merci, merci pour ton aide. Après, ce qu'il dit, c'est que sinon, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il crée son sub avec un autre synthé, par exemple le Mod Wave ou le Bass Station? Ben, à la rigueur, pourquoi tu n'utilises pas un de ces deux synthés pour faire ta basse complète, quoi? C'est clair. Non, mais c'est vrai, en fait. Je pense que c'est ça, t'as mis le doigt sur son problème. C'est-à-dire que je pense qu'il a trouvé une basse qui lui plaît bien sur le Crave, mais qu'elle n'a pas de sub. Il voudrait y ajouter du sub et il sait pas comment faire. Moi, je comprends la question comme ça, en fait. D'accord. Après, je sais pas, VE, si on peut qui traquer avec le Crave, mais sur beaucoup de synthés, quand tu es capable de traquer le synthé en 1 volt par octave quand c'est bien foutu, donc faut juste faire le test. Donc, je sais pas si ça marche en fait.
Asmot a fait une vidéo turbo booster un synthé. T'as fait ça, Asmot? Ouais, non, mais en fin de compte, c'est parce que j'utilisais le Mini Nova et tu sais, il y a une entrée instrument. Enfin, tu peux faire rentrer du son. Donc, est-ce que c'est possible avec le Crève ou pas de faire ça? Rentrer un signal externe. Ouais, je pense, ouais. Audio in, ouais. Ouais, je pense qu'il y a un audio in. Parce que si c'est possible, ben, ça règle ton problème. T'as un multiple, alors peut-être tu peux rentrer des trucs. Ouais. Tu vois, ça se regarde. Hein. Non, les in, ils sont à gauche. Voyons voir. EXT audio, ouais. C'est body, oui, on peut. T'as un external audio. Donc, à la limite, ouais. Mais en fait, le problème, il va venir du fait qu'il faut traquer avec les notes qui déclenchent le crève. C'est ça. Bref. Ça devient compliqué, quoi. Pas si simple. Ouais, pas si simple. Compliqué. Voilà. Bah, bon. C'est pour ça que t'as dit excellente question, non? C'est pour ça que j'ai dit excellente question, tout à fait. Si c'était simple, on aurait demandé au stagiaire. Sachant qu'on n'en a pas. Sortir, si, ça peut être une solution s'il a une pédale d'octave, tu sais, une pédale de guitare octave. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ouais. Mais ouais, bon. Tu, octave, tu la rentres dans l'octave et tu la rentres dans l'audio in. Ouais. Peut-être que tu peux, je sais pas. Ouais. C'est pas propre. C'est pas super clean, ouais. Ça va pas être aussi joli qu'un synthé avec un sub bass, quoi. Ça, c'est sûr. Ok. Salut Coyote. Il y a une sortie keyboard CV, donc voilà. Donc on peut traquer le truc. Pas de problème. Ok. Next. Je vous propose une question de Event Horizon. Est-ce que vous êtes encore d'accord? Encore. Ouais. Attends. Papa jingle, papa jingle girl. Il est lent ce jingle. Attends, je le remets. C'est ça? Ouais. Papa jingle. Question de Event Horizon. Petite question pour ceux qui ont l'habitude de créer. Faites-vous la basse et les drums en premier, ensuite vous venez plaquer une mélodie par-dessus, ou alors c'est l'inverse, vous élaborez la mélodie et ensuite vous venez plaquer une basse et les drums? Pour moi, quel que soit le sens que j'utilise, j'ai toujours du mal à tout assembler par la suite. Ça, c'est dommage. Hey, on a des compositeurs dans le chat. Allô, Eric. Ça, c'est une question pour toi. Je dirais qu'il n'y a pas de règle. Hein, il n'y a pas de règle. Ouais. Départ, tout dépend de comment te vient l'idée, quoi. Si tu as une mélodie en tête, bah, tu commences par la mélodie. Si tu vas, tu programmes un rythme, tu trouves des sons, tu fais une boucle, bah, tu commences par la boucle. Il n'y a pas de règle. Exactement. Comme diraient les Chemical Brothers, it doesn't matter, dit VE. Tu as raison. Ouais. Ouais. Moi, quand je fais ça. C'est Brosno dit toujours commencer par la cobelle, c'est pas faux. Hein. Ouais. On n'a jamais assez. Je me rends compte que moi, souvent, c'est plutôt une progression d'accords. C'est plutôt ça et un son. C'est-à-dire, c'est le couple des deux qui fait que ça m'inspire. Je ne me vois pas commencer par une batterie, quoi. Je vois... Ouais. Mais ça, c'est moi. Est-ce que quelqu'un fait ça? Peut-être Philippe slash Cobb. Bah, moi j'ai un problème un peu à l'envers de mon métier. C'est-à-dire que les plupart des DJ producteurs avec qui je discute, les mecs te disent tous... Une grande partie te disent, moi je commence kick bass, quoi. Et moi je commence toujours mélodie, même pad, mélodie, lead, et après j'insère le kick bass. Et en fait, c'est vrai qu'en le disant, je me rends compte que les prods sur lesquels j'arrive à aller le plus loin tout seul sont celles souvent sur lesquelles j'ai trouvé mon kick et mon drop quand il est une basse, tu vois, quand c'est un drop basse, ouais, quoi. Ouais. C'est là que je vais le plus loin, en fait, parce que rajouter des mélodies par-dessus et tout, j'ai pas de problème, mais comme je suis parti d'un socle au début qui était solide, j'arrive à aller loin dans mon mix, et même parfois à faire mon mastering moi-même. Alors que souvent, quand je commence par les mélodies, que je m'envole déjà hyper loin avant à peine d'avoir mis un vrai kick et une vraie basse sur le truc, ben, j'arrive pas au bout, enfin je galère à aller jusqu'au bout, parce que c'est au chausse-pied, le kick et la basse, que je rentre sous les idées mélodiques que j'ai eues, quoi. Ouais. Mais il n'y a pas vraiment de règle. Hein. Mais moi j'ai ce problème là, en fait, c'est vrai. Ouais, ouais. Et toi, Tom, quand tu composes, t'es beaucoup sur machine. Ouais. Alors... Et la gratte et tout, comment ça joue là? Comment tu... Est-ce que tu... bizarrement, je vais souvent commencer par un synthé et je... T'es guitariste pourtant, mais je comprends pas. Ouais, je fais moins de guitare maintenant, mais... ou la guitare, je commence avec la guitare, mais c'est souvent le dernier truc que j'enregistre. Ouais. Je ne vais pas du tout commencer par de la batterie ou des percus ou quoi que ce soit, mais je vais vite en avoir besoin pour, tu vois, avoir un rythme et un truc sur lequel se caler. Je suis quelqu'un qui compose rythmiquement. J'aime beaucoup les trucs du genre arpégiateur avec delay, ce genre de trucs. Ouais, donc j'ai vite besoin de ça pour me... Pour me stimuler au niveau créativité, mais j'ai horreur de tu vois, kick, snare, machin, ça me saoule. Ouais. Parce que je trouve jamais le bon son de toute manière, c'est pas ça qui m'inspire. Il y a assez beau 75. À chaque fois, c'est différent. Il y a assez beau 75, il nous dit, moi, je fais basse. Basse, basse, basse. Ouais,
Mais c'est marrant, Tom, pour un guitariste, quand même, de dire je rentre la guitare en dernier. Ça veut dire que dans tout ton cheminement, tu l'entends déjà, la guitare? Et du coup, tu n'as pas besoin forcément de l'avoir ou... Non, enfin, c'est juste que j'enregistre un truc, un placeholder, quoi, si tu veux. J'enregistre une partie de guitare crappy, tu vois, histoire de dire ah, j'ai la mélodie, d'accord. Mais ah, oui. J'enregistre la vraie partie à la fin, tu vois, quand je suis sur du reste. Mmh. Mais je fais beaucoup moins de guitare qu'avant, si tu veux. Je fais un peu plus de rétro-wave en ce moment, donc du coup, il y a moins de guitare là-dedans, quoi. Mmh. Voilà. Attends, je balance un message dans le chat YouTube parce qu'il y a encore des gens qui disent « Mais vous êtes où ? Je ne vous vois pas ouais. !» On est là, on est là. Dis-leur bon. Que ce n'est pas, pas définitif et que normalement on va repasser. Non, non, c'est pas fin, j'espère. Il y en a qui se sont dit « Ça y est, c'est fini, YouTube, c'est mort. Hein, » Attends, je remets l'URL. Hop, twitch.tv/lescendiers, venez très nombreux. Ok. Alors, j'ai envie de vous dire que je ne sais pas quoi répondre d'autre à cette question pour Event Horizon. Donc, avançons, parce qu'il y a des petites news. Et je vais laisser la parole à mon ami Blastounet, qui va nous parler d'une news absolument magique, marvelous. Oh, ça peut aller assez vite. Non, prends ton temps, je t'assure. Prends ton temps. Alors... Cette semaine a été annoncée la sortie de la nouvelle version d'Isotope RX, RX10. Alors Isotope RX, c'est la suite de essentiellement de nettoyage et de correction de prise de son qui a pris progressivement une taille énorme et qui devient presque un incontournable pour beaucoup. Ouais. Et donc la RX10 apporte très honnêtement relativement peu de choses par rapport aux versions précédentes. C'est pourquoi je ne suis pas certain que je recommanderais d'upgrader. En tout cas, moi j'ai considéré l'upgrade. J'ai la version intermédiaire. Il y a trois versions. Il y a une version Elements qui est pas mal pour des gens qui font de la voix essentiellement, du podcast, de la vidéo YouTube et qui ont besoin de. Qu'on n'a pas un studio traité, qu'on a peut-être des problèmes de réverb. Il y a un des réverbs qui est plutôt pas mal. C'est pas magique, hein, ça ne va pas supprimer un effet cathédral, mais si on a un petit peu de réverb, ça peut l'atténuer. Il y a un petit traitement de voix, si on a un petit peu de bruit de fond, des choses comme ça. Donc pas mal de petites fonctions qui sont intéressantes pour un prix relativement raisonnable avec la version Elements. Moi, j'ai la version standard, qui est un peu plus étoffé et qui a plus de fonctions. Et puis, il y a la version Advanced qui a absolument tout et qui est assez magique, mais qui est beaucoup plus cher, qui est vraiment réservé au studio. Un des éléments que je vais dire déjà là tout de suite avant que vous cliquiez sur le bouton, c'est qu'il est théoriquement en promotion pour le lancement peu près à 100 balles de moins que le prix final. Mais... à moins que vous en ayez besoin maintenant, n'y allez pas tout de suite, attendez plus tard. Le Black Friday, au Black Friday, ça chute encore. Je crois que j'avais acheté la première fois la version Elements pour 35 balles ou un truc comme ça. Ouais, 30 balles, ouais. Moi, j'ai acheté les Elements. Moi, j'ai eu tout un pack Ozone, RX, Musique Production. 29$. Après, moi, j'avais acheté la Elements et puis ensuite, Isotope est venu me voir en me disant « On vous offre un super package où j'ai récupéré Ozone, Neutron, Melodyne pour, je ne sais plus, 100 balles. » Je crois que pour 100 balles, plus les 30 balles que j'avais mis au départ, j'ai eu la version standard, plus Ozone et Neutron et d'autres plugins en prime. Donc là, c'était vraiment intéressant. Donc, ne foncez pas. Tête baissée. Alors j'ai regardé, moi, pour upgrader la version RX standard à la version 10, j'en ai pour 100 balles. Donc c'est pas inintéressant, je vais un peu le considérer, mais j'ai trouvé que les additions par rapport à ce que j'ai et ce que j'utilise sont relativement minimes. Il y a une fonction, entre autres, qui est capable, c'est intelligent, mais ça n'existe encore qu'en anglais pour le moment, qui est capable de lire le texte. Enfin, de donner une retranscription du texte que l'on est en train de traiter. Donc, encore une fois, c'est surtout pour du traitement de voix. Ce qui peut être intéressant, plutôt que d'essayer de trouver dans la courbe exactement où est-ce qu'on a dit ci ou ça, puis de cliquer pour faire
un peu de montage ou du nettoyage, on a directement le texte qui s'affiche en sous-titre de manière automatique. Donc, est-ce que ça fonctionne bien? J'en sais rien. Pour l'instant, de toute façon, c'est que en anglais, donc ce n'est pas forcément le plus pratique. Mais ça pourrait être sympa dans le futur, donc peut-être dans une version 11 ou 12. Alors du coup, j'ai une question, attends Blas, j'ai une question, parce que, bon moi je l'ai, le 9, et c'est vrai qu'il y avait eu un gap énorme entre le 8 et le 9, et moi j'ai été bluffé par l'isolation de son, c'est-à-dire que moi j'avais quelqu'un qui m'a demandé un coup de main sur un truc, il parlait, et en fait il y avait un fond sonore horrible derrière, j'ai appliqué le plug, j'ai rien fait, le truc il a fait tout gicler, à tel point que limite je me suis fait engueuler, parce qu'il m'a dit, mais on n'entend plus rien, il y a un vide entre les mots que je fais, tu m'as demandé d'isoler le fond sonore, je t'ai enlevé le fond sonore, quand tu parles plus, il n'y a plus de son. Bon bref, donc ça avait super bien marché, mais par contre là il y a une question, on peut séparer les instruments et la voix et les récupérer? Alors, ils annoncent qu'il y a la possibilité de repérer quand il y a deux personnes qui parlent, de séparer les deux, mais uniquement sur la version Advanced. D'accord. Mais les instrus, par exemple, si tu leur envoies un track, tu dis je veux le vocal et je veux l'instru, il le fait le truc? Alors, j'ai lu vaguement, parce que je ne vais pas acheter la Advanced, c'est trop cher pour mon usage, mais j'ai lu qu'on pouvait retirer la voix de d'une piste. Ça vaut une blinde. Donc pour récupérer effectivement la version instrumentale. Mais il y a déjà pas mal d'outils qui font ça. Ouais, il y a des sites qui font déjà ça, mais tu as toujours un truc, un phasing, une voix un peu chelou. Enfin, quand tu le fais un peu vite fait, parce qu'en fait, ça veut dire que n'importe quel morceau, tu le transformes en a cappella en fait. Je vous laisse imaginer que moi, ça me sert grave. Donc si tu peux le faire vraiment proprement à la Isotope, comme ils ont. De la même manière qu'ils ont réussi à isoler le son hyper proprement, s'ils arrivent à isoler la voix hyper proprement, game changer, quoi. Vraiment. Alors, il y avait un autre plugin pour faire un a cappella. Alors, à quel point c'est vraiment, vraiment efficace? Je crois que ça s'appelle Clarity VX ou un truc comme ça. Mm-hmm. C'est de Wave, je pense. Je ne saurais pas le dire. Bugs nous dit que l'isolation des instrus est valable depuis la 8 et s'améliore de version en version. C'est toujours ça. C'est qu'à chaque fois, ça s'améliore un petit peu. Donc, ça peut valoir le coup de faire des essais ou des trucs comme ça. Mais bon, il faut voir si, effectivement, si on en a besoin et si ça justifie le passage, le prix de l'upgrade. Donc, pour 100 balles, si j'avais besoin de ces fonctionnalités supplémentaires, je ne ferais le pas. Là, je suis encore en train d'hésiter. Je vais attendre le Black Friday. Si le Black Friday, l'upgrade est vraiment à moitié prix, j'irai sans problème parce que peut valoir le coup. Mais par contre, ils ont parlé justement de la capacité de séparer un dialogue qui est pris sur une seule piste et puis de reconnaître les deux voix, les deux timbres de voix et de les séparer en deux tracks, ça peut être vraiment très intéressant. Encore une fois, pour des gens qui enregistrent des interviews avec un smartphone en mono ou des choses comme ça, donc avec un matériel minimaliste, s'ils sont capables ensuite de faire du retraitement, de faire du nettoyage du bruit de fond, etc., et d'obtenir une interview exploitable à relativement peu de moyens, c'est intéressant. Pour de la musique pure, après, ça dépend de comment est-ce que tu habilles, parce qu'effectivement, ça nettoie tellement parfois que c'est un peu brut, un peu rêche, il faut redonner de la matière autour, sinon ça manque de naturel, quoi. C'est vraiment taillé un peu au couteau, c'est compliqué d'aller vraiment dans la finesse. Mais pour un usage raisonné, c'est vraiment, vraiment efficace. J'ai déjà utilisé pour sauver des tracks, où quand tu l'écoutes, tu te dis, bon là c'est mort, je vais essayer... Mais compte pas dessus, c'est mort. Ouais. Et on obtient quelque chose de très audible, finalement. On sent bien que ce n'est pas pris de manière naturelle dans les conditions optimales, mais ça reste très audible, ce n'est pas agressif. C'est pas mal. Mais je ne sais pas, donc, pour les musiciens d'entre vous, vous l'utilisez dans le cadre de la musique, Eryx? Parce que je pensais que c'était plutôt vraiment orienté... Traitement de voix. Écoute, moi, tu vois, j'entends que du bien de Isotope RX. Donc, quand j'en ai besoin, je demande à Blast. Oui. Je m'en sers de RX Element parce que je l'avais acheté il y a longtemps. Et je m'en sers pour enlever le souffle sur mon micro-cravate parce que j'ai un micro-cravate qui souffle de malade. Micro-cravate. Et donc, sur toutes mes vidéos... Je passe un coup de RX. Je m'en sers très régulièrement. Alors, la version Elements, vraiment pour la voix, elle est super parce qu'il y a le déréverb, il y a le voice denoiser, qui est vraiment orienté pour la voix. Il y a un dehum qui peut être utile si on a
un 50 Hz qui traîne dans son équipement et ouais, que, bah, qui marche très très bien. Capté, ouais. Et donc ça nettoie très bien. Et puis il y a un déclip si on a saturé. Exact. Encore une fois, c'est pas magique. Si on a saturé à plus 6 dB, ça va quand même s'entendre. Mais si on a saturé de temps en temps, il nettoie assez proprement. C'est plutôt pas mal. Ouais. Et puis il a un décliqueur qui peut être utilisé si on a mal réglé ses buffers et qu'on a des clics de prise de son, ça marche. Et pour certains bruits de bouche, ça marche aussi. On peut le passer si on a une salive un peu épaisse qui claque. On peut le passer dessus. Ça nettoie pas tout, mais ça nettoie pas mal aussi. Donc vraiment pour de la voix, pour une prise de son de type podcast, YouTube ou autre, et qu'on a envie d'un son propre, rien que déjà la version Element, c'est assez balèze. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, juste pour préciser, hein, donc on est sur Twitch exceptionnellement parce qu'on a eu un petit problème de stream avec notre outil Restream, donc on n'a pas pu aller sur YouTube ni sur Facebook, donc on s'est backupé sur Twitch, donc la réal est un peu bizarre. Voilà, on va essayer de trouver une solution pour la semaine prochaine parce que ça fait plusieurs fois qu'on a des problèmes techniques avec Restream. Désolé pour les publicités, pour ceux qui viennent et qui arrivent et qui ont de la publicité. Là, on maîtrise pas, c'est Twitch. Voilà, il faut être patient. Et sur Twitch, le moyen de ne pas avoir de publicité, c'est de s'abonner. c'est pas pour faire de la retape. Hein, Oups. Alors, Bécane nous dit plus besoin de savoir faire de bonnes prises de son. C'est pas totalement vrai. Dis donc, ça peut sauver un truc raté, mais si vous faites un programme régulier et que toutes les semaines vous sortez un podcast et qu'à chaque coup le son il est passé par Isotope, ça va s'entendre. Hein, Est-ce que c'est, Knarr, peut-être que c'est une question à laquelle tu peux répondre, est-ce que c'est le genre de truc que tu utiliserais si tu utilises un vieux synthé qui ronfle un peu, qui a du souffle, tu vois, je sais pas, un Juno MS-20, un truc comme ça? Ouais, alors après, si j'utilise un Juno MS-20, c'est aussi pour profiter de cette capacité-là, c'est-à-dire d'avoir ce son-là, parce que c'est aussi, ça fait partie de son son, quoi. Tu vois, un vieux synthé vintage, tu veux pas qu'il ait un son très propre, sinon t'achètes un plugin, hein. Tu vois. Si c'était vraiment très très problématique, oui, sans doute, j'utiliserais. D'accord. Voilà. Alors, le denoiser, celui de Element, c'est le Voice Denoise. Donc, il y a une espèce de, allez, on va dire, intelligence artificielle, ou en tout cas, il y a un programme qui cible les fréquences de la voix. Donc, pour un instrument, je ne suis pas sûr que ce soit l'idéal. Mais ils ont, dans d'autres versions, un denoiser plus traditionnel qui permet d'aller chercher. D'être un peu plus vaste ou un peu plus précis dans d'autres fréquences. Ok. Bon, et je vois les gens là dans le chat, juste un truc, hein, on ne vous pousse pas à vous abonner, hein, c'est juste que c'est sur Twitch, il y a de la publicité, hein, les amis, donc là on maîtrise pas. Et sur YouTube aussi, il me semble, non, quand même. Pas pendant les lives. Là, en fait, sur Twitch, il y a de la pub pendant les lives et c'est toutes les 30 minutes. Donc voilà. Ok, d'accord. Et c'est pas caca Twitch, c'est très très bien Twitch, c'est juste que c'est pas le même système. Pas le même business model, oui. Voilà, alors, juste peut-être... Je me fais clasher parce que j'ai parlé de supprimer le souffle du Juno, c'était un test, c'était pour voir si vous suiviez. C'était pour voir si vous suiviez. Alors, ça me fait une bonne transition, Blast, par rapport à... Donc, tu as mentionné RX, mais normalement, on a également Complete 14. Pourquoi je mentionne ça, Complete 14? Parce qu'en fait, il vient d'être annoncé, vous savez que maintenant, c'est Soundwide, c'est la même entité, c'est la même boîte, hein, oui. Complete, enfin, Native Instruments. Si, je me souviens, on en avait parlé. Oui. Voilà. Et regardez, maintenant, on a Ozone 10 dans la Complete 14. Ça commence à être intéressant. Donc, pour le mastering. Et du coup, en fait, ce que ça va. Enfin, il faut que j'arrête de dire du coup, parce que je vais me faire clasher encore. Ce que ça va permettre. C'est quand même intéressant de le dire. Tu comprends du coup. Arrête. Ce qui va être intéressant, c'est que on va pouvoir avoir une suite de mastering à l'intérieur de la Complete 14. Et je crois même que dans la version Ultimate Collector Edition, il doit y avoir un peu plus que ça. Peut-être Ozone Advanced. Voilà. Alors, juste, j'en touche un mot vite fait, parce qu'en fait, dans la Complete 14, si je fais découvrir, Select, on va voir tous les outils qui sont proposés en détail, les synthés, Monarch, les instruments samplés. Alors, c'est Contact 7 maintenant,
Hein, je ne sais pas si vous voyez ça. Avec les Scarby, Vintage Organs, vous avez Drumlab, West Africa, ça, les effets, etc. Okay, donc ça, c'est la version, on va dire, Complete Select. Hein. Je vais aller sur la version standard qui est probablement un peu plus intéressante pour la plupart des gens, à 599€, mise à jour à 199€. Et là, vous voyez, au centre du truc, on a Ozone. Donc les mecs, ils veulent vraiment mettre l'accent là-dessus. Hein. Contact version 7, du coup. Tous les derniers plugins, hein, Playbox, Session Bassist, Prime Bass, j'ai fait la petite vidéo qui va bien. On a aussi des trucs de chez Plugin Alliance, le fameux BX Oberhausen, qui est là. Ozone 10 standard, les effets de Plugin Alliance, voilà, qui s'invitent dans la Complete 14. Des nouveautés de la Play Series et des expansions. Le BX aussi, là. Le BX qui était juste au-dessus, là. Il n'est pas natif de base, normalement. Non, il est Brainworks. Et donc, quand on va sur la Ultimate, créer sans limite, donc on a Ozone standard aussi. Ah, c'est Ozone standard aussi, d'accord. Bon, c'est pas grave, d'accord. C'est pas grave, on a Ozone standard. Donc on a plein d'autres trucs. Avec la Ultimate, c'est 1199. Ah, c'est des expansions qui te rajoutent aussi beaucoup. Exactement. Ouais. Donc, c'est plutôt assez cool. Et juste un petit commentaire là-dessus, parce que ça a fait un peu le buzz. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, mais dans la Complete, jusqu'à présent, il y avait encore les vieux instruments. Ouais, hein, dont un certain instrument qui s'appelle Absinthe, qui est un outil de sound design. Ils ont viré Absinthe ? Et bien, dans la Complete 14, ils ont viré Absinthe. Complete 14 qui sort le 27 septembre. Elle est plus complete, du coup. Blast. On va avoir des problèmes. Du coup, j'ai pas de problème. Il y a personne qui m'achète. Hein. C'est incomplete. Ils retirent des trucs, c'est incomplete. J'adore. Non, mais pourquoi ? So what ? Et l'absinthe existe toujours ou ils abandonnent le produit ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, en fait, ils avaient racheté Absinthe, je crois. Non, ils l'ont pas racheté, je pense. Enfin, c'est un produit qui a été conçu par un des développeurs de chez Native. D'accord. Je me rappelle plus le nom, mais il y a des articles qui traînent sur Internet et qui vous donneront toutes ces informations. Et en fait, ce qu'ils disent dans un communiqué, parce que ça a quand même beaucoup râlé sur le sujet, sachant que beaucoup personne de gens utilisent Absinthe, mais ok. Faux. Pardon. Faux. Ah, c'est vrai. Super. Pardon. Faux. Plein de gens utilisent Absinthe encore aujourd'hui parce que c'est un outil de sound design. D'accord. Formidable. Et vrai, donc, quand tu es vraiment dans le sound design, Absinthe te fournit des outils que tu n'as nulle part ailleurs ou presque. D'accord. Donc, c'est très intéressant. Simplement, c'est vrai que l'interface est hyper datée. T'as vraiment envie que le produit soit mis à jour. Hein. Enfin, tout comme d'ailleurs, on a envie que dans Contact 7, normalement, on a des trucs qui sont un petit peu plus sympas que dans Contact 6 au niveau interface. C'est vrai qu'on attend depuis pas mal de temps sur Mac la compatibilité Retina Display sur la Complete, enfin sur les produits Native Instruments d'une manière générale, alors qu'on ne l'a pas. Donc ça fait partie des choses où les gens râlent en disant mais attendez, vous enlevez un des super instruments qui ont fait la renommée des plugins natives. Ouais. On n'est pas content. Donc ils ont dû faire un communiqué. ils ont été obligés de faire un communiqué pour dire bah ouais, on enlève. Attendez, je vais essayer de le retrouver. J'ai lu ça sur Synth Anatomy. Ouais, c'est intéressant le justificatif parce que soit ils crachent le plug et bon bah dans ce cas-là ils disent de toute façon on va plus le suivre, c'est fini, il est mort. Soit ils font une nouvelle version. C'est quoi l'explication ? Eh ben voilà, donc c'est le monsieur, il s'appelle Brian Clevinger, voilà, le créateur. Ah, donc il est mort le plug, ok. Donc voilà. Et donc il disait, voilà, le communiqué, c'est Native Instruments a pris la décision de ne plus inclure Absinthe dans Complete 14 et en plus d'arrêter de le vendre comme un produit individuel. Voilà, nous savons que c'est une nouvelle très décevante pour beaucoup d'entre vous qui a été des utilisateurs de longue date, blablabla, bla, 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 etc. Et après, ils expliquent qu'ils veulent la meilleure expérience utilisateur, mais que malheureusement, des fois, c'est pas possible parce que les besoins utilisateurs sont en constante évolution et par rapport aux standards technologiques. C'est compliqué. Et donc, du coup, ils décident qu'ils arrêtent. Ne pas le mettre en solo, ne pas le proposer en solo pour ceux qui ont envie de celui-là. Non, mais ils veulent plus le maintenir, je pense. Ils veulent plus le maintenir, mais ils le maintenaient déjà pas. Ils en veulent plus. Voilà. Ils le maintenaient déjà pas. Moi, je trouve pas. C'est pas si choquant. Alors, la seule question, c'est est-ce que les mecs qui ont acheté le 13, parce qu'aujourd'hui, les mecs qui gueulent, c'est les mecs qui l'ont pas le plug. Sinon, tu gueules pas. Si tu l'as. Parce que si c'est là, voilà, c'est ça. Non, si tu as la 13 par exemple et que tu upgrades en 14, ton absinthe il disparaît ou tu peux le garder ? Mon cher Cob / Philippe, tu sais très bien ce qui va se passer. C'est que tu vas faire une mise à jour d'OS dans 2 ans et ça marche plus. Il est mort.
Et c'est foutu, tu vois. Donc ça veut dire qu'il faut garder une vieille. En mode Jean-Michel Jarre, c'est Joachim Garraud qui m'a expliqué ça. Attention, 10 balles. Schling, faut que je fasse un petit truc. Joachim Garraud, are you ready? Donc il m'a expliqué que Jean-Michel Jarre, à la fin de chaque projet, d'abord au début de chaque projet, il achète un laptop. Et après, il garde le laptop avec lui. Il fait tout avec, bam, bam, bam. Non. Il met le laptop, il le ferme, il le met dans un placard. Coupe le réseau. Il coupe tout. Désactive le réseau et il le met dans un placard. Exactement. Merci, Majin, pour les subs. Toto La France, mais pardon. Non, Majin. C'est chaque album. Hein. Je pense qu'il fait ça quand même avec un album, non? C'est un album. Ouais, c'est ça. Album, chaque pas projet. Il fait pas un ordi par track. Non, 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 bien sûr. Quand tu dis un projet, c'est un projet d'album. Donc, ça veut dire qu'il fait toutes ses tracks sur. Ouais. Voilà. Donc, il a ses plugins. Tout est fonctionnel. Et donc, je sais plus quand, récemment, ils ont dû ressortir un vieux truc d'un vieil album. Il a ouvert le laptop. Ça démarre. Nickel. Mais arrête. Bah ouais. C'est génial. C'est cool. Bah, si t'es hors réseau, il n'y a pas mais de problème. Attends, mais les autorisations des plugs et tout, parce que c'est souvent que t'es obligé quand même de basculer d'un ordi. J'en sais rien. Ils rachètent les plugs à chaque fois, ils s'en foutent. J'en sais rien. Je sais pas. J'en sais rien. Ou alors peut-être ils utilisent peut-être beaucoup d'hardware aussi. Tu vois, je pense qu'il n'est pas à 15 balles, hein, tu vois. Non, mais 15 balles, s'il faut que tu rachètes tous tes plugins à chaque fois que tu rallumes l'ordi ou tous les deux ordis. Bah, tu rachètes pas tes plugins, t'as changé d'ordi. T'as changé d'ordi, tu autorises d'accord, juste les plugins sur le nouvel ordi, puis tu les déautorises si, sur l'autre. Si t'es à l'album 5 et que tu retournes sur l'ordi 2, ah bah oui, tes plugs ils sont déjà sur le 4 alors, et le 5. Tu te poses un autre trop truc. Comme. Tu poses trop de questions. Tu te poses trop de questions. Je me pose beaucoup de questions. Je me remarque en ce moment que je me pose après, trop de questions. Après, on posera la question à Eric parce que je suis sûr qu'Eric lui stocke les laptops aussi. Non, je plaisante. Mais honnêtement, je pense que si Jean-Michel Jarre il a besoin d'une licence de Complete, on va lui offrir. Il va pas devoir la payer. Ouais, mais même, c'est pas très grave. En fait, ce que je comprends également, c'est que quand t'es à ce niveau de la compétition, tu fais du band en audio. Tu restes pas avec les plugins parce que voilà. Mais des fois, t'as besoin de revenir quand même, tu vois. Donc, tu vas garder quand même le MIDI avec le plugin sur la piste. Tu vas la muter cette piste. Tu vas dire, bon, j'ai plus besoin de ça. Ouais, maintenant, j'ai la version audio. Raison. Mais si jamais t'as besoin de retoucher le son ou de le retrouver pour je ne sais quelle raison, tu l'as. Voilà. Mmh. Ouais, c'est vrai. Tu vois Eric, ouais, ouais. Alors, Eric, combien de laptops t'as chez toi? Non, mais j'en ai pas beaucoup. J'ai 2-3. J'ai celui qui fonctionne actuellement, là, qui date d'il y a 2 ans déjà, et qui marche bien. Tu sais, moi, tant que ça fonctionne, je ne change pas. Ouais. Je ne fais pas d'update, parce qu'en production, je sais que c'est quand tu changes d'OS, ça, c'est une galère. C'est une galère. Et puis, de temps en temps, quand il y a vraiment un gros saut technologique avec des plugins que je ne peux pas avoir parce qu'il faut un nouvel OS, bah, je change, mais je n'en ai pas tant que ça. Et voilà, quoi. Mais non, mais l'idée, c'est de... Moi, quand je fais une prod, ça se termine toujours en audio. Hein. Tout est en pistes séparées. Il y a plusieurs formats. C'est-à-dire que c'est pistes séparées, ça, c'est indispensable. Après, il y a des stems. Des stems, avec les effets enregistrés à part. Ouais. Ce qui fait que quand tu ouvres ton projet, même sur un ordi 10 ans plus tard, tu ouvres ton audio, ça marche tout de suite. Je ris pas de ce que tu dis, je lis le chat parce que on a un membre de la communauté que je salue qui s'appelle Jules Barbu, ça fait à peu près 6 mois qu'il a un Mac à vendre. Il essaye de le vendre sur le Discord. Donc lui voilà, ne le vends pas, garde-le, tu vois, stocke-le dans un placard, fais-toi passer pour Jean-Michel Jarre et voilà, ça sera nickel comme ça. Non mais on a beau dire, en tant que créateur, on se repose sur des plugins et des trucs pour créer nos sons, mais tu vois, ce genre de truc, ça peut avoir une fin, quoi. Tu vois, donc. Bah oui, alors tout peut avoir une fin, honnêtement. Même un synthé que t'as chez toi, il peut tomber en panne et après tu galères pour le faire réparer, c'est la misère et tout. Je vois aussi plein mal de gens qui ont du vintage. Qui se prennent la tête. Je pense aux gens qui ont des Juno 106 et qui ont les condos là, qu'il faut réparer toutes les 5 minutes. Tu sais que je reviens à ton histoire de. J'analyse le truc, mais je reviens à ton histoire d'audio. Si il a sorti les trucs en audio, il n'a pas besoin de garder les ordis. Mais si, il peut basculer ses audios d'un ordi à l'autre. Ah bah non, il peut garder ses projets en audio d'un ordi à l'autre. Mais c'est il n'a pas besoin fait. De garder l'ordi. Écoute, c'est pas ce qu'il fait. Je pense qu'il y a quand même un côté où il essaye de l'utiliser. On l'invitera pour en discuter. Ah ouais, c'est très bien. Exactement. La phrase de dépression. Ça se trouve, il est dans le chat. Vas-y, Jean-Michel, dis-nous. Pourquoi je ne suis pas dépressif. J'ai pourquoi juste dit y a tout 12 à une fin parce que tout. C'est compliqué en ce moment, mais on va s'en sortir. C'est compliqué. Voilà. Ok. Alors, j'étais donc sur
Split 14 donne vie à ton son. Donc bref, 27 septembre la Complete 14, les amis. Donc si vous voulez acheter un de ces produits, vous pouvez, d'ailleurs j'en profite pour dire, vous pouvez passer par nos liens d'affiliation lescendier.com/ni. Voilà, c'est toujours bien, ça bon. Fait du bien, ça fait plaisir. Au-delà de ça, Absinthe, est-ce qu'il y a des produits équivalents? Est-ce qu'il y a des trucs qui font ce que fait Absinthe aujourd'hui? Bah, il y a des produits chez Native Instruments mais qui permettent de faire du sound design dans des pour aller vers des territoires sonores inconnus, je pense à Reactor, tu vois. Mais en fait, ce que tu avais dans Absinthe, c'était quand même une interface un peu spécifique avec des outils un peu spécifiques que si tu les maîtrises, ça te permettait quand même de faire des sons, j'allais dire facilement, non, mais plus facilement que si tu devais te frapper Reactor. Donc voilà. C'est alors, là, je vois Presse Purée qui dit j'attendais le 14 pour acheter Absinthe. Bon, alors c'est peut-être une blague, j'en sais rien. Mais donc ça veut dire que là, ça y est, l'arrivée du 14, ça veut dire tu veux Absinthe, c'est dead. Si tu l'as pas, tu peux plus le. Si tu l'as pas, t'es mort. Ouais. Ok. C'est ça. Et bah, tant que ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, faut que tu gardes une vieille bécane sur laquelle tu l'as encore et sur laquelle ça marche encore. Ouais. Voilà. Après, je me pose la question, c'est est-ce qu'ils vont être assez, comment dire, gentlemen pour garder quand même le produit sur le site pour qu'on puisse continuer de le télécharger, qu'on puisse continuer de l'autoriser, qu'on puisse. Voilà, c'est tout ça qui est derrière. Moi, je dis un produit comme normalement, ça. Un produit comme ça, si tu veux plus le maintenir et tu veux plus te prendre la tête, tu le mets en open source, quoi. Tu vois. Et tu laisses les gens s'en emparer. Tu vois, et puis derrière, bah, ça va faire un produit qui va évoluer au moins. Voilà, avec une communauté qui est derrière. Ok, ok. Alors, on a deux choses à faire très vite. La première, je dis très vite et je sais pas comment faire. Voilà, hop. La première, c'est de vous reparler de nos amis de chez Woodbrass. Car comme vous savez maintenant, Woodbrass est partenaire de notre émission Lundi Madère. Oui, et donc, vous pouvez aller sur lescendier.com/Woodbrass pour tous vos besoins en matériel. Ça nous aide. Ça permet de payer le cachet d'Éric Bouquet. Parce que sinon il vient pas à l'émission, donc voilà. Non, il y a pas de cachet. Puis là il y a bien Philippe qui dit quoi, il y a un cachet quoi? Hein, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Non mais j'ai d'ailleurs j'ai bugué quand j'ai entendu ça. C'était pas le C15 le cachet. Chut. Voilà. Non. Et le deuxième truc dont il faut qu'on parle évidemment, c'est notre concours avec String Studio VS3 d'Applied Acoustic, qui est notre synthétiseur de cordes String Studio VS3 à deux voix multitimbrales, timbre A, timbre B. Ils l'ont fait avant tout le monde en fait, quand j'y pense. Ça fait hyper longtemps qu'ils l'ont fait, ça. Voilà, avec plein de modèles, vous voyez, plucked, hammered, voilà, cordes frottées, avec des filtres, des enveloppes, des LFO et du body. Ah, ok, du body. Pour pouvoir mélanger tout ça et vous faire des sons de cordes, c'est cool. C'est Applied Acoustic qui régale. Et ça, pour pouvoir en profiter, il faut venir sur le Discord des Sondiers, lescendier.com/Discord. Là, vous êtes 90, et franchement, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, allez-y, venez cliquer sur la petite alors vous êtes là. Alors qu'on est 250 sur Twitch. Vous êtes 250 sur Twitch. Oh. Vous tapez slash Discord, là. Discord. Slash, pardon, pas slash, mais point d'exclamation Discord. Discord, comme ça. Hop là. OK. Vous allez sur le lien qui vient de s'afficher dans le chat du Twitch. Vous faites votre petite présentation qui va bien et tout, si vous n'êtes pas déjà là ou si vous n'êtes pas déjà dans le Twitch, vous n'avez déjà pas fait votre petite présentation. Et vous venez dans le salon concours pour tenter de remporter une licence de String Studio VS3. Vous êtes déjà 92 maintenant, c'est cool. Magnifique, magnifique. C'est beau. On peut plus cliquer, ça fait deux fois. Comment ça, apparemment, on peut plus cliquer. Ouais. De quoi on peut plus cliquer, mais ça fait deux fois que je vois passer l'info qu'on ne peut plus cliquer sur le Vuvuzela, sur la Vuvuzela. Mais si, on peut cliquer, moi je clique. Regarde, je clique. Clique, je clique. Voilà. You have already entered the giveaway. Voilà, tu vois. J'ai cliqué. Je vais faire live giveaway parce que si jamais c'est moi qui gagne, les gens vont. Ça va être emmerdant. Ça va être compliqué. Voilà. Comment ça bug le bouton? Mais cliquez plusieurs fois, moi ça marche très alors, bien. Ceux qui ne se sont pas présentés, qui ne sont pas en bleu, ne peuvent pas cliquer. Voilà, il faut vous présenter. C'est pour ça. Du coup, ensuite, il faut vous présenter, les gars. Voilà, comment on fait pour se présenter? On va dans le salon présentation, ok? Voilà, vous voyez des gens qui se sont présentés, comme Saintis par exemple, ou Skundi, qui s'est présenté aujourd'hui à 19h46.
Voilà, il est allé voir le règlement, il est allé cliquer sur le petit, la petite coche verte du DraftBot pour accéder au serveur. Et ensuite, il a pu aller dans le salon concours, une fois qu'il s'est présenté, pour pouvoir acheter son... Enfin, participer au concours. Vous êtes 102, vous voyez bien que ça marche. Voilà, voilà. Allez, j'applause. Ok. C'était moi. Ah, bah, il est présent, ouais. C'était toi, ben voilà. Salut à toi, Scoundy59. J'imagine que tu habites dans le Bienvenue Nord. Bienvenue à bord. Avec un tel nickname. Je crois qu'on a quelqu'un du Nord également chez nous. Je crois qu'Éric Mouquet vient du Nord également. Voilà. Il faisait de la musique dans le Nord avec un fort accent de ch'ti. C'était de la musique du monde, mais avec un fort accent ch'ti. Tu l'as perdu ton accent ch'ti quand même. Cool. Hein. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui a perdu son accent si picard. Si tu veux, c'est pas très populaire. Donc à un moment donné, t'arrêtes de parler avec l'accent, quoi. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Ok, ok. Alors, tout de suite la suite, parce que on va parler. Si tu nous parlais du concours de l'été. Des news ? Je peux vous parler du concours de l'été, tout à fait. Alors, les news, c'est pas fini parce qu'il faut que vous soyez beaucoup plus nombreux à voter. Donc, je vais vous envoyer le lien qui est dans l'émission de la semaine dernière, d'ailleurs, et que j'ai mis sur lessondiers.com. Ah. Regardez, vous allez là-dessus. Hop, je vais afficher ça comme ça. Attendez, je vais l'afficher parce que sinon, si je l'affiche pas, ça va être beaucoup plus compliqué. Le voici. Donc, lorsque vous arrivez ici sur le site lessondiers.com, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Normalement, vous voyez mon écran. Ouais. Voilà. Hop, vous allez sur Challenge 2022. Voilà. Et là, vous votez pour la meilleure performance ici. Regardez, vous cliquez sur voter pour la meilleure performance ici. Et là, vous avez. Non, c'est pas trop tard. Vous avez. C'est trop tard pour participer, mais c'est pas trop tard pour voter. Et vous avez un merveilleux formulaire qui nous a été préparé par Fub for Fun, qu'on remercie très très fort. Et vous faites envoyer, et comme ça on va pouvoir avoir les résultats. Enfin, normalement on va pouvoir avoir les résultats. Et basé sur les 10 premiers, on fera une sélection. Et cette sélection gagnera le premier de la liste qu'on aura décidé ensemble avec l'équipe et le panel artiste. De récompenser pourra gagner la FX Collection 2 Arthuria. Ça prend hyper longtemps parce que rien ne fonctionne comme prévu. Mais c'est la vie. Alors, les prods durent 45 minutes, alors ça prend du temps. Quoi, si ouais, c'est jusqu'à quand qu'on peut voter? Bah, tant que je ne dis pas qu'on a fini de voter, tu continues de voter. Voilà, j'aimerais bien qu'on puisse donner le nom du gagnant la semaine prochaine. Votez, votez, votez. Voilà. Votez. Allez, je vais avancer un petit peu. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? On va parler de news un petit peu moins sympa. Je ne sais pas si Eric, tu veux en parler, tu sais, du décès de Rob Orgic, qui était un designer de synthé hollandais, si je ne dis pas de bêtises. Tu le connaissais un petit peu, ouais. Il me semble, hein, c'est ça? En fait, je lui ai acheté un système il y a 3-4 ans, un système modulaire, hein, un modulaire... qui est un peu format Moog, je ne sais pas, enfin, il est là-bas au studio, on ne voit pas très bien ici. Ouais. Et donc à cette occasion, je l'avais rencontré parce que on s'était rencontré à Lille d'ailleurs, dans le Nord. Moi j'étais remonté et lui était descendu vers le midi, c'est comme la chanson. Et on avait passé un après-midi ensemble, il m'avait expliqué un peu comment le concept qu'il avait fait derrière ce modulaire. Ouais. Il avait inventé des modules, notamment un module assez rigolo, assez étonnant, qui n'existe nulle part. Et il cherchait un son, on voit le module là, voilà. Et il avait baptisé ce module le Wrangler. Je ne sais pas si on le voit. Si on le voit là au milieu, là. C'est un de ceux qui sont au milieu là. Celui-là au Tataflash, voilà. Ouais, ouais. Celui-là, là. Et, donc ça, c'est le système que j'ai. Et voilà, bah, j'avais rencontré ce type qui est. Voilà, pour moi, c'est un des grands de la lutherie électronique, comme Don Buchla ou Moog. Tous ces gens-là qui ont fait avancer. Et il a notamment, pour tous les gens qui ont eu l'occasion de travailler avec comment ça s'appelait chez Nord. Comment il s'appelait G4 ou G2, je ne sais plus. NordWave G2, non, c'est ça? Le Nord Modular G2. Nord Modular G2. Nord Modular G2, voilà, c'est ça. Voilà. C'est lui qui est à l'origine de tout ça. Et donc, voilà, qui est un truc de fou, ça, d'ailleurs. C'est un synthé incroyable, ça. Et donc, un grand monsieur de l'ultra électronique qui est parti. Et voilà, un petit hommage. Un petit hommage, ok. C'est vrai que
C'est toujours triste de voir des gens avec un tel savoir et qui font de tels instruments nous quitter. En plus, je crois qu'il n'était pas vieux, il est parti à 64 ans. Oui, c'est ça. Ce qui est pas vieux, quoi, pour le coup. C'est un peu triste. Bon. Merci, Rob Ordic. Je sais pas, Ordic, je sais pas si je le prononce comme il faut. Ordic. 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 Voilà. Ok. That's life. On a donc d'autres news, je crois. Je suis pas sûr. Vous connaissez Modal Electronics? Vous connaissez? Mm-hmm. Il y a deux news cette semaine sur Modal Electronics. La première, c'est ceci. C'est ceci. Argon 8 is better than ever with the release of firmware V3. Sporting enhanced nouveau firmware de l'Argon 8. Like firmware V3. And vintage circuit modeling. Voilà, avec un mode vintage. Four brand new distinct filter types. Quatre nouveaux filters. Ladder, ladder hybrid, ladder phaser, and Salem key. Donc des nouveaux filtres. There's new arpeggiator modes. Des nouveaux modes pour l'arpégiateur. And pendulum too. There's also a wide array of new effects, like an all new reverb. Nouvelle reverb. A new chorus. Nouveau chorus. Ah, pas mal. New phaser. Nouveau phaser. Four types of distortion. A utility. De nouveaux distorsions, nouveaux utilitaires, EQ, unison, compresseur. There are enhancements and improvements as well, including improved internal gain staging and improved voilà. Animation displays. Nouveau gain staging à l'intérieur du synthé. There's also 100 brand new presets designed from the nouveau ground preset. Up version 3. Ça sonne bien hein, quand même. Hein. Available for download at Modal Electronics. Ouais, ça sonne super bien, ouais. Ça sonne super bien. J'aime beaucoup. C'est bon. Je me doute que tu aimes and beaucoup. Update your Argon 8 to version 3.0. T'es client de ça, toi. Push your sound forward with Argon 8. Alors, l'Argon, ça fait partie de ces synthés qui ont pas nécessairement, qui sont pas très bien servis par leurs presets, ou au moins pas tous, quoi. Je me souviens d'ailleurs, on avait fait une vidéo sur la boîte noire et le synthé est incroyable, je veux dire en termes de puissance, de design sonore et tout ça, c'était vraiment super. Mais dès qu'il fallait faire des démos, c'était tout de suite un petit peu compliqué de vraiment montrer le synthé sous ses meilleurs atours. Parce qu'en fait, les presets, c'était pas dingue. Et, donc j'en avais fait quelques-uns, mais globalement, les presets d'usine n'étaient pas super fous. Donc là, je suppose qu'ils ont fait un petit effort là-dessus. Et j'ai l'impression qu'ils ont ajouté des nouvelles fonctionnalités qui sont plutôt issues du Cobalt, qui me semblent avoir beaucoup plus de succès. Déjà il y a aussi la question du look parce que le synthé un peu gris anthracite comme ça c'est joli mais en même temps ça fait un peu terne, un peu noir voilà. Et puis c'est vrai que quelqu'un mentionnait dans le chat il a quand même un gros vide sur la droite là, je sais pas si on voit bien mais attendez je vais essayer de retrouver quelque part on voyait mais ouais. Vous voyez là il y a tout un vide sur la droite là qui est un peu étrange, ça fait un peu genre virus TI, le syndrome du virus TI où tout a été mis sur la gauche. Et en fait c'est parce que le design de cette version qui est la version 8X 61 notes, ils ont repris toute l'électronique du synthé à 37 notes et ils n'ont rien changé en dessous puisque c'est pour pouvoir bénéficier de la même plateforme et ne pas avoir à réinventer tout ce qu'ils ont déjà inventé, donc ne pas refaire un panneau avant quoi. Donc voilà. Bon. Alors que le Cobalt, lui, avec sa belle robe bleue, c'est vrai qu'il est un peu plus attirant, je trouve, et puis qu'il est un peu plus immédiat. Mais bon, bref, en tout cas, des chouettes sons de ce que j'entends, hein, je vous remets là. Hein. C'est cool, hein. Chouette petit son. Musique alpha, on peut mettre un iPad à droite. Ouais, t'as raison, c'est clair. Ouais. Excellent. Donc firmware V3, ça se télécharge sur le site Modal Electronics. Donc ça, c'était la première news que j'avais à partager avec vous. La deuxième, c'est que Modal Electronics se met à faire du modulaire. Et ça, c'est quand même pas commun. Enfin, c'est pas commun, c'est pas que c'est pas commun, mais c'est que, grosso modo, ils ont décidé de se mettre à faire des modules. Et donc, ils ont un premier module. Il faut juste que je le retrouve. Voilà, qui s'appelle... Filton, c'est un filtre analogique à transistor. Alors, je vais vous le montrer dans un instant. Et en plus, c'est un module qui est disponible au format Kickstarter. Donc, hop, je ne sais pas si vous allez voir mon écran comme ça. Oui, c'est bon. Hop, je vais vous lancer la petite vidéo du Kickstarter pour qu'on voit de quoi il s'agit.
is Filton. Filton! A 20HP dual analog transistor ladder filter module for Eurorack by Modal Electronics. With its true analog design, Filton injects rich and warm sound character into your Eurorack modular system. With distinctive saturated transistor overdrive, resonant harmonic peaks, and warm analog timbres, the transistor ladder filter's classic sound has been adored by synth lovers. On va essayer de l'écouter peut-être. En fait, with some very unusual morphing characteristics, c'est issu de leurs anciennes machines. Enabling smooth transitions from okay. sibling Modal 008, the more recently acclaimed Argon 8 wavetable, okay, the ladder font tout le catalogue, or series or parallel process audio output. Moi, j'aimerais bien l'entendre, en fait. This dedicated project. Voilà, et on l'entend we pas. Hope that all you pledges... C'est quand même embêtant qu'on l'entende pas, mais il me semblait qu'il y avait des démos quelque part. Les voilà, Filton Morphing. Donc là, évidemment, les oscillateurs, c'est pas eux, hein. Enfin, c'est sans doute eux, mais là, ce qu'on en écoute, c'est le filtre. Tu avances un peu. Qu'est-ce que t'en penses, Blast? Rien. Absolument rien. Allez, je passe au Square Driver. Ouh la vache. Oh, c'est sympa quand même. Là, il y a du sub là, tu vois, effectivement. Ouf. Ouf. Sympa, sympa, ok. Là, suite, FM. Alors, deux oscillateurs à la quinte, modulés par un LFO dans le filtre. Trèche TV, ça te branche, ton banquier va encore rouler. Ouais, c'est dur ça. Ah, tiens, voilà, Jules le barbu. Est-ce que t'as vendu ton Mac? Depuis que j'ai fait l'annonce, non? Et Event Horizon demande si quelqu'un pourrait lui offrir pour le sub. On va en parler, Noshima-san. Donc là, c'est le moment de kiff de Blast. Il dit... Paris 1975. Ok, ok. Bon, bref, vous avez ce nouveau filtre. Vous pouvez venir sur le Kickstarter. Il reste 24 jours. Il y a 66 contributeurs. Ils veulent 57 587 euros et pas un euro de plus. Et ils ont même pas la moitié pour l'instant. Donc, si vous êtes intéressé, Blast n'en pense rien du tout. Voilà, ça c'est fait. Absolument. Mais ce qui est encore plus incroyable, peut-être on peut, avant de parler de ce que nous a proposé Enoshima-san, Eric, toi tu as une MC505, c'est ça, la boss là, le petit looper, ouais. Là. Il y a une mise à jour là, je crois, mise à jour que, ouais, il y a quelques semaines, et je l'ai faite aujourd'hui, et ça corrige pas mal de bugs, hein. Il y avait pas mal de critiques sur ce modèle, le MK2. Il y a même des gens qui avaient acheté le MK2 et qui continuent à travailler avec le MK1 pour des tas de raisons. Ouais. Et là, apparemment, enfin, j'ai testé après-midi. J'ai pas eu le temps de tout faire, mais de tout tester, mais ça marche bien. J'ai pas repéré de bug comme il y avait avant. J'ai pas encore synchronisé avec l'ordi, mais je l'ai utilisé en autonome, mais ça marchait très bien. Donc, bon, il faut faire mise à jour gratuite, donc il faut le faire. Hein. C'est ça. RC505 et non pas MC505. Pardon, RC505. Ouais. C'est moi qui ai dit MC505. Donc celle-là, hein, c'est bien celle-là, hein, c'est ça? Exactement, ouais, c'est donc, ça. Intéressant d'avoir le retour d'expérience d'Eric qui a fait la mise à jour. Vous voyez comme quoi il fait des mises à jour. Il ne dit pas toute la vérité. Parce qu'il nous dit, moi je change rien. Bah si, tu vois, t'as fait une mise à jour. Oula. Oula, 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 oula. Je suis pas sûr. Qu'est-ce qui se passe? Il fait de la musique. Mais comme t'as le truc du bruit. Enfin bref, peu importe. C'est pas grave. Okay. Et enfin, un truc aussi qui nous a été annoncé par Teenage Engineering. C'est. Vous allez pleurer. Non. Moi non, mais. Pleurer.
La fin de l'OP1 au profit de l'OP1 Field. Ah, voilà. L'OP1 que vous connaissez tous, bien sûr. J'ai même joué avec dans l'avion. Mm-hmm. Alors, c'était l'OPZ avec lequel tu as joué. C'était l'OPZ, ok. Ouais, voilà. Tu vois, okay, ça, c'est l'OP1. La différence entre les deux. Vois, l'OP1. Et en fait, maintenant, c'est l'OP1 Field. Non, ça, c'est l'OP1 Field, en fait. L'OP1 n'est même pas là. L'OP1 classique, il est où ? Il est où ? Il est où ? L'OP1 est mort. Vive l'OP1. Et en plus, le prix augmente. Alors là, l'augmentation des prix, ça, je pense que c'est un peu chez tout le monde. Je crois que récemment, en fait, ce qu'on voit, c'est que... Il y a comme une flambée des prix liée à la rupture de, des composants, plus beaucoup de problèmes encore dans les usines en Chine qui ne peuvent pas produire à plein régime. Donc on a eu des augmentations très importantes chez Moog. On a des augmentations également Deluge. Le Deluge, ah oui, je ne vous ai pas parlé, mais le Deluge vient d'annoncer que... Enfin, Synstrom Audible, qui produit le Deluge, donc pour ceux qui connaissent ce produit, je vous le montre tout de suite, viennent d'annoncer qu'ils allaient maintenant mettre en place un écran OLED. Alors qu'avant, le Deluge, c'était un tout petit écran à LED. Et maintenant, regardez, l'écran, ça va être un vrai truc. Donc c'était un ALED et maintenant c'est un OLED. Voilà, vous voyez là, ça, ouais. c'est la nouveauté. Voilà. D'accord. Et ça, ça va faire passer le Deluge de 999 $ US à... Alors, c'est pas que l'écran, bien sûr. C'est globalement... en fait, ça fait quelques mois qu'ils disent qu'ils vont augmenter les prix pour les raisons que je viens de vous dire. Ouais. Ça va passer à 1249 dans un premier temps, puis 1349 début 2023. Wow. Au lieu de 999. Voilà. Wow. Exactement. Donc, si vous vouliez un Deluge, bah, faut le commander avant 2023 parce que sinon il va prendre $100 de plus. Et si vous êtes propriétaire d'un Deluge, vous pouvez le renvoyer moyennant $149. Il vous fait la mise à jour de l'écran. Alors par contre, je crois qu'ils sont en Nouvelle-Zélande ou quelque chose comme ça, donc c'est faut le renvoyer au bout du monde le truc. Et il faut payer le shipping. Le shipping, je crois qu'il est à $80 ou quelque chose comme ça. Voilà. Il me semble qu'on a d'ailleurs un gagnant. Un gagnant, oui. On a un gagnant. C'est Serge Derek. Serge Derek, vous étiez 100 000 €. Oh là là là, ça y est. Voilà. Serge Derek, tu as gagné ta licence de String Studio VS3. On va s'échanger des petits messages après l'émission sur le Discord. Envoie-moi un petit message privé que je vais m'empresser d'ignorer. Non, je plaisante. Et donc je vais t'envoyer ta licence directement, tout de suite, immédiatement. Tu verras, ça va être magique. C'est ça que t'as gagné, regarde. String Studio VS3. Excellent, non ? Excellent, bravo Serge. Bravo, bravo, excellent. Et je crois qu'on arrive à la fin de cette émission. En Nouvelle-Zélande, il y a de grandes chances que le machin revienne habillé d'une peau de mouton. C'est possible, Event Horizon. Oui, tu as raison. Bravo, Serge. Pintosonic nous dit que Matrix Brut est discontinué aussi. Non. Ah, alors ça, je l'ai loupé. Mais s'il nous le dit, c'est que ça doit être vrai. Je vous relaye juste l'information. En tout cas, voilà, le Deluge, c'était ça. Et après nous, le Deluge. Vous voyez, l'écran maintenant va être un tout petit peu différent d'avant. Je pense que c'est pas du luxe hein, sur un appareil comme ça qui est devenu extrêmement complexe. Déjà que maintenant, là, on a des petits libellés qui sont apparus il y a déjà un an ou deux sur la machine parce qu'il y a tellement de raccourcis que c'était quand même compliqué de les retenir tous. Hein. Donc là, c'est bien, il y a des petits libellés sous les boutons. Ça fait tout hein, ce truc-là. C'est sur batterie, c'est. Ça fait sampleur, ça fait synthé, ça fait effet, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Je sais qu'il y a des gens qui en ont dans le chat là, je sais qu'il y a Melokit qui vient régulièrement nous présenter ses prods le vendredi sur Twitch. À chaque fois qu'il nous présente un truc, il le fait avec son Deluge là, et c'est mortel. C'est incroyable ce qu'il fait avec ça. Voilà, $1249 pour l'instant, ok ? D'accord. Voilà, messieurs, dames, belle machine, et ça sonne bien en plus, ça qui est cool, avec très très peu de limitations. Je pense qu'on arrive... À la fin de notre émission, je vais vous remercier très fort d'avoir participé malgré les problèmes techniques. Nous sommes désolés de vous avoir redirigé sur Twitch. A priori, vous avez fait ce qu'il fallait, hein, donc c'est bien. Merci d'avoir suivi. Alors, le truc sur Twitch, c'est que d'habitude, on fait un raid.
Et ah pourquoi oui. C'est pour ça que j'aime bien Twitch. Parce qu'en ouais, fait, le... c'est cool. Ouais, tu peux faire un... Exactement. Et regardez, il y a Romance qui est en live en plus. Vous savez, Romance, c'est ceux qui font du modulaire. Donc il y a Romance en live. Donc moi, je suis. En... Enfin, je pense qu'on va, on va plutôt faire un raid directement chez Romance. Donc on va passer notre super publicité Woodbrass. Regardez. Hop là. Voilà, elle marche pas. Elle marche pas. Voilà. C'était la publicité ouais. Woodbrass. Attendez, je la c'était repasse. Woodbrass. C'était Woodbrass. Woodbrass, partenaire de l'émission animée. Attention, ça marche pas. Il y a des problèmes techniques. Mais en tout cas, on va vous laisser avec Romance. Si vous connaissez pas Romance Live, ça va être maintenant. Et pour envoyer le raid, je vais taper la petite commande qui va bien. Et on va vous laisser avec eux. Salut Eric. Salut Cob Nolan, alias Philippe Aelis. Salut tout le monde. Salut Blast, salut Asmoth. Bye bye. Et on vous dit à la prochaine bye fois. Bye. Hop là, c'est parti pour le raid dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Au revoir. Ciao.